Alors quand on écrit ce nombre-là, 23, en fait, ici on met un 2, et ce 2 il occupe la place des dizaines. Hein. Donc ici on a deux dizaines. Voilà. Et d'ailleurs, ben, c'est ce qu'on a représenté ici. Hein. Dans chaque ligne ici, il y a 10 carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait, cette bande-là, ça, ça représente une dizaine. Une dizaine. Et puis la bande qui est là, ben, il y en a 10 aussi, donc ça, ça représente une autre dizaine. Voilà. Donc effectivement, quand on met un 2 dans la place des dizaines, ça veut dire qu'on a deux dizaines, donc c'est ce qu'on a représenté ici. Et puis le 3 qui est là, alors le 3 qui est là, il, il, est, il occupe la place des unités. Donc ça veut dire qu'il y a ici trois unités. Effectivement, c'est ce qu'on a représenté ici. Il y a trois blocs, 1, 2, 3. Voilà. Donc, en fait, quand on écrit le nombre 23 comme ça, avec un 2 et un 3, eh bien, on écrit deux dizaines. Et deux dizaines, ben, ça fait... Une dizaine, c'est 10, plus une autre dizaine, ça fait 20. Donc, 10 plus 10, hein, c'est ça, ça fait 20. Donc, on a 20 plus 3 unités. Alors, ça, on va l'écrire. Je vais l'écrire comme ça, avec le 2 en violet et le 3 en rouge, comme ça. Et ça veut dire, en fait, euh, deux dizaines... Je vais écrire comme ça donc deux dizaines plus trois unités plus trois unités voilà donc c'est exactement ça tu peux le regard tu peux le revérifier en regardant le nombre de blocs qu'on a on a deux dizaines ce sont ces deux barres là et puis trois unités qui sont ces trois carrés là voilà alors maintenant, on va faire une addition avec ce nombre-là. Par exemple, on va, on va essayer d'additionner, en, en, en se servant de ce qu'on vient de faire, on va essayer de faire cette addition-là. 23, 23 plus 30, par exemple. 30, alors je vais écrire 30, c'est 3 dizaines, donc c'est 3 dizaines et 0 unités. Donc c'est 3 et puis 0. Donc je mets un 3 ici, ça c'est la place des dizaines, et puis un 0 pour le nombre d'unités. Alors on va faire cette addition-là, on va essayer de se servir de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici en fait je pars de mes 23. Alors 23 je sais que c'est deux dizaines qui sont représentées ici et trois unités. Deux dizaines plus trois unités. Donc en fait je pars de, de tous ces, ces carrés qui sont là. Et je vais ajouter 30. En fait, ce que je vais faire, c'est ajouter d'abord trois dizaines. Alors une dizaine, c'est ça, hein, c'est tout ce que je. c'est une bande comme ça. Donc je vais en ajouter trois comme ça. En voilà une. Je la mets ici. J'en je en ajoute encore une. Ça c'est une deuxième. Et puis une troisième que voilà. Je la mets ici. Donc là, c'est bien ce qu'il qu fallait que je fasse puisque j'avais mes deux, mes deux dizaines qui appartiennent à ce nombre 23. Et j'ajoute les trois dizaines de ce 30. Donc c'est ce que j'ai fait avec ces trois dizaines qui sont là. Donc maintenant, je peux compter combien j'ai de dizaines. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Alors j'ai cinq dizaines. Et effectivement, j'en avais deux ici plus trois là. Donc en tout, c'est normal. J'ai cinq dizaines. Alors je vais pouvoir écrire ça. Du coup, je vais avoir... 5 dizaines plus, alors maintenant il faut que je compte combien j'ai d'unités. Alors j'ai toujours ces 3 unités qui sont là, hein, ces 3 unités ci, et puis, puis c'est tout ce que j'ai puisque j'ajoute 0 unité. Hein. Dans 30, il y a 0 unité, donc en fait je me retrouve avec ces 3 unités, c'est tout. Donc. Et effectivement, ça tu peux voir ça en disant que j'ai 3 unités plus 0 unité, ben, ça fait 3 unités. Donc finalement, je me retrouve avec 5 dizaines plus 3 unités unités. Voilà, quand je fais cette, cette addition-là, 23 plus 30, en fait je me retrouve avec 5 dizaines plus 3 unités. Alors maintenant je vais essayer de réécrire le résultat de cette addition-là, 23 plus 30 proprement, Donc, je, vais, je vais le réécrire. Alors j'ai déjà, je vais réécrire ça comme ça, 23 c'est 2 dizaines et 3 unités, plus 30 c'est 3 dizaines et 0 unités. Et je me retrouve avec, en fait, alors, dans la place des dizaines, ben, j'ai 5 dizaines, donc dans la place des dizaines, je vais mettre 5. Donc j'ai ce 5 qui est là. Et puis à la place des unités, j'ai 3 unités, donc je vais mettre ici un 3. Voilà. Alors c'est ça, 23 plus 30 ça fait 53, ce nombre là c'est 53, 5 dizaines et 3 unités. Alors 5 dizaines parce qu'on en a 2 ici plus 3 là, donc en tout on a effectivement 5 dizaines, et puis 3 unités parce qu'on a 3, 3 unités ici plus 0 unités là, donc ça fait effectivement 3 unités.